Laurent Magazine, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une émission découverte avec Super Mario Bros. Wonder. Voici la petite jaquette ici même. Donc, vous aviez, il sort ce 20 octobre 2023 en même temps que Spider-Man, mais c'est deux jeux très différents et apparemment, les deux sont très très bons. Spider-Man, vous pouvez d'ailleurs retrouver ma vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas, vous aurez d'ailleurs le lien ici hein, si vous êtes intéressé et vous l'aurez aussi à la fin de cette vidéo. Et vous aviez donc en précommande avec Super Mario Bros. Wonder selon les magasins. Là, j'ai des lithographies et un petit stylo. Hop, le voici. Vous aviez une balle anti-stress normalement qui était prévue, éléphant, quand Mario se transforme, mais ils l'ont changé. Alors, est-ce que c'était par manque de temps? Est-ce que c'était pour l'écologie? Et est-ce que, du coup, bah, ils n'arrivaient pas à produire assez ou manque de matériel, hein, matériaux, je ne sais pas. Donc, du coup, ça, on n'a pas l'info, mais ils ont changé le produit au dernier moment, je vous rappelle, et c'est également que chez Micromania ou chez Nintendo Store, vous aviez pas mal de produits goodies également qui étaient très différents. Donc là aussi, ça dépend où vous l'avez acheté. Je vous rappelle que le dernier jeu Super Mario Bros. Qui était sorti en 2D, c'était la version Super Mario Bros. Wii, qui est ensuite arrivé sur la Wii U en Super Mario Bros. Wii U et enfin sur la Switch en Super Mario Bros. Wii U Deluxe. Là, j'espère que ça va changer et que, effectivement, d'après les rumeurs et des critiques que j'ai pu voir, il est très bon. Donc, je vais vous donner mon avis juste après le générique. Mais n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à ma chaîne YouTube Laurent Magazine, à me mettre un max de pouces sous cette vidéo, ça m'aide énormément. Et bien sûr, à cocher la petite cloche pour avoir les notifications des nouvelles vidéos, à me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Et bien sûr, sur Twitch, puisque sur Twitch, je fais des directs et je reprendrai peut-être Super Mario Bros. Wonder en version online avec un ami. Voilà, je vous dis à tout de suite après générique. Voilà, comme vous pouvez le constater, du coup, on peut choisir le nombre de joueurs puisque en local, on peut jouer de 1 à 4 personnes. Donc moi, là, je suis tout seul. Hein. Sushi, tu veux jouer avec moi? Non, je crois qu'il veut pas. Donc on va jouer tout seul. C'est parti. Donc au niveau des personnages, nous avons Mario, Luigi, Peach, Daisy, Toad jaune, bleu, Toadette, Yoshi, Yoshi rouge et jaune, ainsi que bleu ciel et carotin. D'après ce que j'ai pu lire, donc Yoshi, c'est écrit là, carotin et les Yoshi ne subissent aucun dégât, donc ils sont invincibles, mais ne peuvent pas utiliser les objets spéciaux donc pour se transformer. Donc moi là, je vous avoue que bah, du coup, je suis en Luigi, vas-y, on va prendre Luigi, j'espère qu'il ne va pas trop déraper. On va essayer. Allez, on va prendre Luigi. Okidoki. Okidoki. C'est parti. Alors, bienvenue au Royaume des Fleurs, une contrée proche du Royaume Champignon. Invité par le prince Florian, Luigi et ses amis s'y rendent pour la route pour la première fois. Ok. Donc là, vas-y, il faut avancer. Il va me parler, lui. Bonjour. Ok. Ok, B pour sauter. D'accord, oula pour l'instant. On vient faire la fête. Ok, pour l'instant je suis très lent là. Là il y a Mario. Ouais, ok. Ok, pour l'instant c'est très lent. Oula. Ok, apparemment on peut aussi arrêter les fleurs de parler. Ok. Oh que c'est joli, Super Mario Bros. Wonder. Allez, on va découvrir ce jeu ensemble.
Allez, donc du coup, on a pu voir que le prince Florian, là, il nous dit « C'était le roi Bowser, n'est-ce pas? Comment ose-t-il voler notre fleur prodige et notre beau château ?» Donc Bowser, hein, toujours. Ok. Et dire qu'il a fusionné avec notre château des fleurs pour devenir cette horrible chose, effectivement. On ne peut pas le laisser s'en tirer comme ça. C'est tout le royaume qui est en danger si on ne fait rien. Ok? Youhou! Mamma mia! Ok. Vous allez nous aider? Oh, merci! Moi, je t'avoue que j'ai rien promis. J'aimerais vous servir de guide si vous êtes d'accord. D'accord, juste un instant. Ok. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se transformer? Il va mettre une cape? Non. Ok. Oh, le Yoshi, c'est trop mignon. On compte tous sur toi. Bah... J'espère. Allez, mi-pleine, M1, donc pleine des tuyaux, ok. On peut pas retourner en arrière, je sais pas s'il y aura des niveaux cachés, j'imagine que oui, on est chez Mario. Premier pas au royaume des fleurs, donc je vois qu'il y a deux trucs à récupérer, difficulté, une étoile, donc on va commencer ici. Elle, qu'est-ce que c'est? On voit la map monde. Et plus, qu'est-ce qu'on a? On a les personnages, on a les stages, les badges, puisque les badges maintenant, je vous rappelle, qu'ils vous apportent des pouvoirs pour passer plus facilement le jeu. Et enfin, des panneaux, là je ne sais pas encore à quoi ça sert, sauvegarder, écran titre, les options, joueurs, ok, commandes, et jouer en ligne, pour l'instant ce n'est pas le cas. Je ne l'ai même peut-être pas débloqué encore, donc vas-y là. C'est parti! Allez, premier pas au royaume des fleurs, c'est parti avec une étoile. Appuyez sur B pour sauter, d'accord? C'est parti! C'est parti! Ok. Ça faut... Ah, d'accord. Par contre, la musique, elle est très sympa, je trouve. Hop là. Par contre, je peux pas courir. Hop là. C'est peut-être Y pour courir. Belle journée, hein? Bon, on va essayer de les tuer, eux. Ok. Ouais, si, c'est Y pour courir. Ok. Ah ouais, ça change avec Y, hein. Alors. Oh. Youhou. Oh, je suis Yoshi. Luigi. Elephant. Ok. Ok. Alors. Vas-y. Ok. Ah, on peut prendre de l'eau. Vas-y, j'en ai pris un deuxième. On sait jamais si plus tard je le perds. Vas-y, ça, on va descendre. Ça, toi, viens là. On va essayer d'avancer le plus vite. Il n'y a pas de temps, hein, maintenant. Ça rafraîchit. Ça rafraîchit. Ça raccroche. Hop là. Allez, on a deux pièces violettes, déjà. Là, vas-y. Je sais pas pour l'instant à quoi servent les pièces, donc j'essaie d'en récupérer un max. Ah, là. Ok, ok. Ça, c'est fait. Ouh là là, il a eu du mal à rentrer dans le tuyau. Vas-y, une petite fleur. Ça. Là, on récupère encore ça. On sait jamais si on va en avoir besoin. Ça. D'accord. On va essayer de faire un petit quart d'heure du jeu. On va voir ce que ça donne. Ah, une fleur bleue. Vas-y, je peux la récupérer? Oui. Qu'est-ce que ça se passe? Qu'est-ce que vous avez? Ouh, on est dans un monde donc féerique et un petit peu loufoque. Ok. Donc ça, c'est la nouveauté aussi du jeu, c'est un peu le côté foufou, hein, qui apparemment apporte énormément de fraîcheur au jeu, outre le l'eau que vous voyez avec l'éléphant. Hein. Hop là. Donc là, ouais, c'est un monde un peu féerique. Oula. Ok. Ok. Vas-y, monte. D'accord, pour l'instant ça va, je m'en sors. Ah, j'aurais peut-être dû récupérer les autres trucs ou aller voir à droite s'il n'y avait pas autre chose de caché. Non, c'est bon. Ah ouais, mais bon, là maintenant il est sorti du monde. Ok, bye bye. Ah, attends, il faut peut-être que je saute. Ok. Prodigieux, j'ai eu le drapeau d'or. Vous savez que bien sûr,
il faut finir le niveau avec le drapeau d'or. Que dans Mario 3D World et dans d'autres, hein, vous aviez des bonus, des vies je crois, je sais plus, et ou des bonus cachés. Si vous finissez absolument tout, ça vous débloque je crois des niveaux, je sais pas, hein, je veux pas m'avancer, je me souviens plus, dans 3D World j'ai tout fini, mais je l'ai fait parce que je voulais tout faire à 100%, et d'ailleurs ce jeu-là, j'essaierai de le faire à 100% également. Youpi, les graines prodiges vont nous être très utiles, allons en obtenir d'autres, mais avec plaisir. Donc là, on a tout fini, hein. Ouais, j'ai tout. Ici, donc, parade piranha, difficulté une étoile, ça devrait le faire aussi. On y va avec Luigi. Mamma mia! Allez, alors là, déjà, ça commence, il y a un truc, mais on peut pas le récupérer, donc je pense qu'à un moment, il y a un tuyau rouge qui nous emmène derrière. Oh, la plante piranha, elle sort maintenant. Attends, vas-y, y a... hop là. Ah, j'ai récupéré Luigi qui tire des boules de feu. Ouh, ouh, ouh. Ouais, j'ai failli. Hein. Est-ce que je peux sauter dans le tuyau, là? Non. Par contre, pour l'instant, on peut peut-être pas... Non, on... C'est quoi, ça? Vas-y. Ah, on va de l'autre côté, je pense. Ouais, c'est ça. Ah, c'est génial. Ils se sont inspirés un peu de... d'idées de Mario 3D World, hein, j'ai l'impression. Ok, vas-y, monte. À voir maintenant ce que ça donne au niveau du jeu et espérons que d'autres jeux vont suivre. C'était quoi là-bas? Ok. Donc, ouais, espérons. Attends, je sais pas si je pouvais... Hop là. Vas-y, ça. Donc là, ça a enregistré ma progression. Donc pour l'instant, je n'ai pas le pouvoir pour monter là. Ok, ça. Ah, mais là, peut-être, du coup, je pourrais l'avoir. Viens ici, petite fleur. Ok. Donc là, ça y est, le monde s'est transformé. Ah, je dois avancer absolument, d'accord. Oh, c'est trop chou. Elle chante. Oh, mais c'est trop chou. Oh, j'adore, c'est trop chou. Vas-y, vite, 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 vite. On se croirait dans Cendrillon avec les petites... Ah mince, j'ai perdu mon pouvoir. Les... ouais, les machins. Les souris. Ouh, ouh, ouh. Non, je vais mourir. Vite, comment on récupère? Oh non, je suis mort. Je savais pas comment. Il fallait rester appuyé sur A pour récupérer le pouvoir, sérieux? Ok. Ah, zut, flûte. Bon, c'est pas grave, un coup pour rien, j'en ai récupéré une autre. Là, donc là, il faut recommencer, du coup. Vas-y, on recommence. On va essayer de s'en sortir un peu mieux. Vas-y. Donc, elles vont se remettre à chanter. Vas-y, là, j'ai tout récupéré. Vite, 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 vite. Ah, mais là, je l'avais déjà récupéré. Ok, ok. Non, je me suis encore fait avoir, mais c'est fou, quoi. Mais non! Mais pourquoi il s'est tourné? Mais non! J'ai plus de pouvoir. Oh non. Vas-y, vite là-haut, parce que je vais mourir, là. Graine prodige obtenue, c'est bon, je l'ai eu. Bon, bah j'avais plus de pouvoir, donc dommage pour moi. Là, si je me fais toucher encore une fois, j'y passe. Ah, en plus, elle est sortie, l'autre. Là, je peux y passer ou pas? Non. Là. Non, il n'y a rien d'autre? Allez, t'es pas sympa, là. Là, même en faisant ça. Ah! Mon Dieu, vas-y, il faut qu'on court. Allez. Mince. Là. Allez, c'est bon, j'ai eu le prodigieux, mais il me manque une graine, donc je sais pas où elle est. Ah, mais c'est lui qui me la donne. Ah, bah c'est bon, alors. That's fine. Ok. Donc, parade piranha, on l'a fait. Bon, c'est vrai que c'était pas très compliqué. Je vous dis ça alors que j'ai perdu quand même une fois ou deux.
Oh yeah! Mais j'étais pas concentré. Non, j'ai perdu une fois, mais j'étais pas concentré. Allez, attrape carapate. Oh mon dieu. Et difficulté, une étoile toujours. Here we go! C'est parti! Alors, sous la forme d'éléphant, donner des coups de trompe avec Y. Ok, ouais, ça on a vu, c'est bon. Donc lui, il faut que je l'attrape. Attends. Vas-y, déjà, on reprend de la vie, là. Mince, il y a peut-être un pouvoir en bas. Attends, parce qu'il nous attend. Ouh là 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 là. Ah non! Mais il saoule! Vas-y. Non? D'accord. Ok, est-ce que toi... C'est bon? Ouais. Bon, je sais pas si ça a fait quelque chose. Vas-y, là on avance. Oulala, là là, alors lui faut que je l'ai. J'aime la musique. J'aime la musique. Je le sentais mal. Non, mais c'est pas possible! C'est fou, c'est au moment où je saute. Vas-y, on recommence. Vas-y, là je veux l'éléphant, non? Vas-y, l'éléphant. Allez. Mais non! Mais c'est une blague, ce jeu. Oh, mais le jeu, il m'aime pas. Hein. Vas-y. Viens là, toi. Bon, on s'en fout. De toute façon, tu m'apportes rien d'intéressant. On s'en fout. On suit. Un éléphant, vas-y. Allez, cours. J'aime la musique. Ah, je l'ai eu. Vas-y. Donc là, est-ce que je peux rentrer dedans? Oui. Difficilement, je crois, mais j'y rentre. Ensuite. Ah, là, il y a un machin. Viens là, toi. Viens là. Mais non! Mais c'est dégueulasse! Oh, comment tu veux que je récupère ça maintenant? Attends. On va essayer dans l'autre sens. Et je peux plus le récupérer. Il fallait que... Bah ouais, mais il fallait que je le récupère sur lui en sautant sur lui, je pense. Ouais, laisse tomber, je peux pas. J'ai fait une bêtise de le tuer. Ah. Et je pense que je peux plus... Oh purée. Vas-y, là je peux ou pas? Non. Ouh là là, je sens que je vais y passer là encore. Non. Non. Ah vas-y, il y a le truc d'enregistrement, comme ça c'est fait. Est-ce qu'en dessous il y avait quelque chose ou pas? Non, ok. Ça. Vas-y, Elephanto. Ok. Viens là toi. Viens ici. Tu m'as trouvé. Ok. Non. Dégage. Vas-y, là on rentre. Là c'est bon. En fait, j'ai... Ah, c'est dommage, hein. Franchement. Ah, mais c'est fou. J'ai tiré à droite. Regarde, même là, je serais encore capable de... Vas-y, je peux le prendre ou pas, ce truc? Ouais, je vais me faire avoir juste en essayant de l'avoir seulement... Allez, l'autre, il est là. Mais non, mais c'est pas possible. Viens ici, hein. Ah, vas-y. Ah, il faut récupérer des étoiles, je crois. Hein. Viens ici. Vas-y. Parfait. Ok. Ouh là là. Viens ici. Allez, allez. Ok. Luigi time. Ok, donc là, on est vers la fin du niveau, j'imagine. Ok, donc là, il faut que je saute. Ah, mercredi. Ah, attends. Non, il va encore me tuer, tu vas voir. Non! Ce jeu me fait faire tout ce que je ne veux pas. Bon, allez, j'ai récupéré une graine, mais du coup, j'en ai 2 sur 3. L'autre, j'ai pas pu la récupérer. Sniff, sniff, sniff. Yeah! Ok.
Attrape carapate, ok. On monte encore un petit peu. Est-ce qu'on peut aller au moins jusqu'au bout? Je sais pas si on aura le temps. Oh oh oh, voilà qui me plaît. Je ne fais plus qu'un avec le château des fleurs et toute cette puissance prodigieuse. Mes forces, je les sens décuplées. Je vais mettre le monde à genoux. Wouah ! Ok. Vas-y. Là, il y a Florian qui vient me parler. Alors, ce maudit Bowser va tout détruire. Hors de question de le laisser faire. Nous devons trouver un moyen de l'atteindre. Oui, j'ai bien compris. Donc là, tu vas faire quoi? J'ai trouvé. On va le rejoindre avec une fleur hélico. D'accord. C'est quoi cette fleur hélico? Ah. D'accord, je m'approche et puis je m'envole. On s'envole, on s'envole, on s'envole. Pour ceux qui ont la référence. Oh, nous nous sommes envolés. Alors, il est en train de me créer un nouveau passage, un nouveau monde. Donc on va essayer de le poursuivre. Ah oui, je vois qu'il y a pas mal de choses sur le chemin. Mon papounet s'est transformé en forteresse. Il est tellement balèze comme ça que plus personne ne pourra l'arrêter. D'accord. Eh bien, on va essayer encore de faire un niveau, puis on va s'arrêter là. C'est de pire en pire. Regarde comme cette plante s'est enroulée autour de cette maison. D'accord. Ah, j'ai une idée. On n'a qu'à utiliser nos graines prodiges. Ah, bah pour l'instant, c'est bon. On en a assez. Je parie qu'elles vont venir à bout de la plante. Elles sont très puissantes après tout. D'accord. Bon, vas-y, on en a assez, normalement. Youhou! Donc, ça va nettoyer la maison. Et qu'est-ce qu'il va y avoir à la maison? Que nini, pavillon à badge. Ah! Les badges, justement, on va pouvoir découvrir. Alors, tout va bien? J'ai eu si peur que j'ai cru que j'allais perdre les pétales. Mais j'ai pu garder ce précieux badge à l'abri. Ah, il y en a un seul pour l'instant. Ah, mais oui, les badges sont ces objets aux effets variés dont on peut s'équiper. Tous ceux qui voyagent dans le royaume des fleurs aiment beaucoup les utiliser. Prince Florian, si je puis me permettre, j'aimerais vous donner ce badge. En tant que grand dignitaire, je suis sûr que vous saurez en faire le meilleur usage possible. Vas-y, fais voir ton badge. Ok, donc là, c'est un badge avec une casquette et j'ai vu qu'un peu plus loin, c'était la même icône. Donc, c'est possible que ce soit un badge pour sauter de machin en machin ou de mur en mur. Oui, c'est génial. Pour tout avouer, j'ai toujours rêvé d'en mettre un. Je pourrais sûrement me rendre utile grâce au pouvoir de ce badge. Alors, vraiment, merci. Ah, qu'est-ce qu'il a d'autre? En acceptant ce badge, c'est à moi que vous faites une fleur, Prince Florian. Oh, ce jeu de mots. Les badges vont vous faciliter la vie. N'hésitez pas à vous en servir. Ok. Bye bye. Bye bye. C'est tout? Par ici. Par ici. D'accord. Moi, je trouve que la voix est très mignonne de la petite fleur, comme ça, qui nous dit quoi faire. Initiation au badge. Alors, vas-y. Parachapeau. Dans les airs, maintenez R. Ou secouez la manette pour ouvrir votre couvre-chef et flotter lentement vers le bas. Donc, R, R, R. Ok. Mon Dieu, tellement de manipulation entre Spider-Man et lui maintenant. Vas-y. Là. Ok. Donc, ça, ça. Ok. Ah ouais. Super. J'ai vachement écouté. Vas-y, on remonte. Appuie sur R. Oui, j'ai compris. J'ai compris. Bon, c'est pas grave. Là, au moins, j'ai vu. Vas-y. Amuse-toi bien. Ok. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? Regarde un peu cet endroit, des grands espaces du vent. Et une autre de ces maudites plantes. On est bon pour aller récupérer d'autres graines. Prodige. Ok. Bon, on commence par aller où? Si tu veux consulter la carte, appuie sur L. Bon, ça, on avait déjà vu ensemble. Et maintenant, on est un petit peu... on peut choisir. On est dans un monde un peu plus libre où on peut choisir le monde. Bon, nous, on va en rester là. En tout cas, je trouve que déjà, la première initiation que j'ai vue des 15 à 20 minutes... me satisfait. Maintenant, vous voyez que je ne suis pas parfait dans ce genre de jeu. Après, j'ai plus d'habitude des Mario 3D World, 3D, pardon, entre Mario Galaxy 3D 64, Odyssey. Donc, on verra bien comment je m'en sors ici. Mais en tout cas, bon, ça a l'air très fun, très sympa. Et en plus, je vous rappelle qu'on peut jouer soit à 4 sur la même console, soit jusqu'à 4.
et je crois à deux en ligne. Donc pour l'instant, je vais commencer tout seul, mais je vais essayer d'aller un peu plus loin et d'avancer dans ce jeu. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à mettre un max de pouces sous cette vidéo. Comme je vous rappelle, ça m'aide énormément. À vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter, et bien sûr sur Twitch. Allez, moi je vous dis à très vite chez Laurent Magazine. Bisous, ciao ciao. Ha ha. Oh non, ça s'est miqué. Mamma mia. Voilà.